Half the world's population live in rural and remote areas where the nearest medical facility can take days to reach. Billions of people have no access to health products and information about health issues. Despite substantial international aid programs and national health initiatives, the reality of the problems this creates in the developing world are all too familiar to the people who work for healthy entrepreneurs. Il y a un système national d'approvisionnement en médicaments ne fonctionne pas bien et on demande au centre de santé de s'approvisionner au niveau des zones de santé. Malheureusement, les sept dernières ne sont pas opérationnelles et les zones de santé manquent de médicaments. Maintenant, les centres de santé sont obligés de chercher les médicaments sur les marchés, partout là où trouvent les médicaments, sans vérifier la qualité. Et il y a des fois où les produits de mauvaise qualité qui peuvent faire à ce que la personne meure. Fake medicine, out-of-date pills, Wevine has seen it all. And here, many people know how difficult it is to get the right treatment. Ukitumia kwenda kukamata dawa mbali, na ule mgonjwa ulimwacha ku dispenser, utakuwa kurudia, utakutana mgonjwa safari ya kilishaena. Mbele farmasia ya kuwa hapa, tulikuwa tunaingia ku dispense. Kama vinashindikana ku dispense, vana transfere. Mugenerale, hapa formula kijun, hakuna ingine general na kuwa huku. Mbele hatu ya pata hapa. Madawa tunapata kwa magumu, kwa kupata maserumu kwanza hii ya kusupervise batu ya kolera. Ilikuwa magumu zaidi sana. Not being able to get quality medicine is only part of the problem. Remote villages like this one often have no access to even the most basic health products and information. Healthy Entrepreneurs is changing that. Healthy Entrepreneurs travaille avec les entrepreneurs avec qui ils signent des contrats. Après la présélection, sur base des critères bien définis, on fait la formation. Après la formation, l'entrepreneur investit un quart et Healthy Entrepreneurs donne trois quarts sous forme de produits que l'entrepreneur utilise. Healthy Entrepreneurs fournit des médicaments de bonne qualité à des prix vraiment compétitifs. Hii ni madawa nilienda kukamata na nilianza kukunywa kwa inanisaidia mzuri. Na nikalipa desan furatu. The local entrepreneurs are running profitable micro-businesses, providing much-needed services and a healthy return for all involved. Moi, j'insiste pour cette pharmacie. Oui, oui. Pourquoi? Parce que vous avez au moins des médicaments efficaces. For local man Gabriel, the lack of medical services was the inspiration to join Healthy Entrepreneurs. La raison qui m'a causé d'entrer dans la pharmacie en boîte, c'est à cause des maladies de mes enfants et mon épouse. Je me suis forcé d'y aller. Nous avons réussi la formation et jusqu'à présent, je continue mes fonctions dans la pharmacie en boîte. Pour le moment, il y a deux sortes de franchises. Il y a la franchise pharmacie. C'est une franchise qui est installée quelque part dans la région. Et la franchise mobile, c'est l'entrepreneur avec son vélo et les matériels qu'il a pour la sensibilisation et la vente. Pour la franchise pharmacie et pour la franchise mobile, il y a des kits que les entrepreneurs possèdent. Une boîte pour les médicaments et une autre boîte pour autres produits additionnels avec un part. Nous avons les cotex pour les femmes qui veulent faire des règles menstruelles pour protéger les règles menstruelles. Okay. Par ça, nous avons des brosses à dents. Ça, c'est pour les enfants. Ça aussi, c'est pour les adultes. Okay. Shampoo pour la chevelure. Okay, qu'on appelle Coconut. Le hand gel, ça c'est un antibactérie qu'on utilise pour la main. Healthy Entrepreneurs clients can see all the product information and prices in their local languages on the tablets. The films, educational pictures and quizzes on the tablet are also proving to be a big hit, especially amongst the young, making it easier to understand how to stay healthy. Ikiryoshye kuruta ibindi byose ni uko tubyiga ubu tubibona ariko kare twarabyiga tutabibona ntituronka umuco neza ariko ubu turaronka umuco neza ko tubibona imagine ukuntu bigenda nimba umuntu ababara cyane tukabibona
James has discovered that in his area, there is a great need for education and counseling about, for example, family planning and sexually transmitted diseases. D'abord, je les expliquais comment ils peuvent se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. À part ça, je les montrais comment ils peuvent planir aussi leur naissance quoi, indésirable. Avec les différents thèmes que F Entrepreneur traite pour le moment, la nutrition, la santé maternelle infantile, l'utilisation de l'eau potable, santé sexuelle et reproductive, les médicaments de bonne qualité, ça va faire à ce qu'il y ait d'abord réduction des maladies. Et aussi, quand il y a des maladies, il y aura des médicaments de bonne qualité qui vont traiter les personnes. The satisfied customers of Gabriel's Pharmacy in a Box are benefiting from Healthy Entrepreneurs' clear understanding of their needs. The dual approach of providing affordable health products combined with much needed education is proving to be a successful strategy. Behind this apparently simple approach to improving health in remote areas are a well thought out plan, a smoothly running logistical structure, and educational programs. La chaîne d'approvisionnement commence d'abord par la production. Après la production, il y a l'achat. Après l'achat, il y a les transports. Après les transports, il y a le stockage. Après le stockage, il y a l'importation dans le pays de la région. Après l'importation, il y a stockage au niveau local. Et puis, il y a utilisation vers les clients. Et nous sommes en train de voir des perspectives, comment les entrepreneurs peuvent faire aussi des commandes à travers la tablette directement au niveau des Healthy Entrepreneurs. The Healthy Entrepreneurs chain supplies the entrepreneurs and regional health facilities. People in remote areas are now getting the health products and medicines they need. They are learning about staying healthy, family planning and disease prevention. Être pharmacien en boîte, ça m'a formé. Je peux aussi former d'autres gens. Et je peux aussi facilement prescrire les médicaments à d'autres malades rencontrés. Et cela me loue fortement d'aimer fort la pharmacie en boîte. Les activités de Healthy Entrepreneurs vont réduire les taux de mortalité. Parce que quand les gens seront informés d'abord, ils seront informés sur la prévention. Everywhere Healthy Entrepreneurs is active, there is proof that sometimes the solution to problems can be beautiful and effective. That is simply what Healthy Entrepreneurs do.